Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Moi, je connais beaucoup de mots de la langue des Français. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. Salut. Ça va? Ça va. Non, ça va pas? Non, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Attends. Attends. S'il te plaît. Viens ici. Mademoiselle. Je m'appelle Moody Djekepanga. Je suis un papou de la tribu des Ouli, une tribu qui vit dans la forêt et cultive la terre. Par ici, des blancs, on n'en voit pas beaucoup. Nous ne sommes vraiment pas riches, mais nous partageons toujours tout et chacun mange à sa faim. Lui, c'est mon cousin, Polobi Palia. Tous les deux, nous sommes des chefs en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pendant 4 mois, nous avons quitté nos terres pour aller de l'autre côté du monde, dans un pays qui s'appelle la France. S'il te plaît, piège-y, ça faudra tout parler. Ce blanc-là, c'est notre ami, il s'appelle Marc. Et c'est lui qui nous a invités à découvrir le pays des hommes blancs. Je m'appelle Marc Dozier et je suis photographe. Ça fait 10 ans que je viens dans cette tribu chez les Ouli, où j'ai été accepté comme un frère. Là-bas, ils m'ont appris à cuisiner le cochon, à tirer à l'arc et surtout à danser les sing-sing. Un jour, ils m'ont demandé pourquoi ce sont toujours les Blancs qui explorent le monde. Alors, j'ai décidé de les inviter en France. De ces voyages, s'en est un livre, beaucoup de souvenirs et une histoire que les deux explorateurs ne se lassent pas de raconter à tous les gens du village. Les Blancs sont exactement comme vous et moi. Sauf que leur peau est blanche, que leurs coutumes sont vraiment bizarres et qu'ils vivent dans de drôles de villes. T'as vu leur ville? Il y a des belles maisons, des fleurs, des jardins. J'ai jamais rien vu d'aussi beau. C'est le paradis ou quoi? Chez les hommes blancs, les villes sont tellement grandes qu'on peut s'y perdre. Les maisons sont très longues et les étages poussent jusqu'au ciel. T'as vu? Les Blancs nous jettent même pas un coup d'œil. Ils ne regardent que leurs pieds pour aller plus vite. Ouais, regarde. Les Blancs marchent comme ça. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je peux faire comme les Blancs. Quand je regarde cette ville, ça me rend fou.
Si vous aviez vu les voitures, elles vont, elles viennent, ça s'arrête jamais. Les Blancs, ils ne s'assoient jamais, ils ne dorment jamais. Ils n'arrêtent pas de conduire, ils vont, ils viennent, ils vont, ils viennent. Et le plus fou, c'est que la tribu des Paris, eux, voyagent même sous terre. Le matin, ils se disent bonjour. 10,90, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Mais le soir, lorsqu'ils rentrent du travail, ils ne veulent pas perdre une seconde et ne parlent plus à personne. Ils n'ont même plus le temps de dire bonjour ou bonsoir. Là-bas, si tu n'as pas de travail, tu n'as rien à manger. Tu n'as pas de maison et tu dois dormir dans la rue. Tu peux en mourir. Nous, on a fait le tour de la France, mais sans jamais marcher. On est allé du nord au sud, de l'est à l'ouest, mais toujours en voiture. Un jour, des amis de Marc nous ont invités à manger. Ce sont des amis dont le chef de la famille s'appelle Henri. Bonsoir. Bienvenue en Périgord. Alors c'est Polobi. Boudica. Boudaya. Oui. Polobi. Polobi. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Oui. Là-bas, on a vu que les ancêtres des Blancs ont construit des maisons en pierre vieilles de plus de 1000 ans. Et à l'intérieur, c'est vraiment étonnant. La pierre partout. Stone tassel. Stone tassel. Et Nice, c'est comme une grotte. Oui. Ah oui. Je suis sûr que ça, c'est pour faire passer vos fusils. Non. Alors, ces meurtrières datent du 12e, 13e, 14e siècle et c'était contre les Anglais. Ils sont venus en avion ou en marchant ? Ils sont venus en bateau et à pied. Le pays des Anglais n'est pas loin alors. Alors nous allons dresser la table d'une façon un petit peu particulière. Parce que ce soir, donc pour vous recevoir et pour recevoir les amis, nous prenons notre pas ici. Alors on va mettre une jolie table et comme ça vous allez voir comment on dresse la table dans des dîners de fête un peu. On va essayer de vous aider. Vous allez nous montrer et on va faire pareil. Alors, tu prends les grandes assiettes. Ici, mon gâteau. Alors, tu en donnes la moitié. À moitié. Là. Voilà, très bien. Là. Alors, le dessin, on tourne dans le bon sens. Alors, ça, tu as les petits verres et les grands verres. Attention. Alors, il faut faire attention avec les verres parce qu'en général, ce sont des verres en cristal. Et les cristals, c'est fragile. Tu me l'expliques ? Il faut les prendre comme ça, regarde. Le grand verre d'abord et le petit verre à côté. Alors, tu le mets là-bas, tu le poses là-bas. Ils se sont trompés quelque part. Les grandes fourchettes. On met la fourchette à la française. À l'anglaise, on tourne la fourchette dans ce sens-là. Et à la française, dans ce sens-là. Oui, oui. Oui. Alors, tu places le côté qui coupe vers l'assiette. Les Blancs ont vraiment des coutumes étranges. C'est pas facile de manger avec eux, hein? Pour manger, il leur faut autant d'outils que pour réparer une voiture. T'as raison. Pour cette fête, ils ont mis leurs plus beaux habits. Alors, Polobi et moi, on a fait pareil. Alors, monsieur le curé nous reçoit. Voilà.
My friend. Merci. Toi, t'es plus gros que moi. Et ça fait mal, ça? Non. Comment on dit? Ça fait pas mal. Non. Ça, là. Parce qu'il a cru qu'on avait les oreilles percées. Ça. Mais non, on les a pas percées. Toi, oui. C'est comme moi. Hein. Voilà. Moi, j'ai pas mal non plus. Ici, en France, si une femme se perce le nez, je pense que les gens vont la regarder bizarrement. Nous, on s'en met ici, des choses, mais un bijou là... Attends, on s'en met plus, Fanny. Attends, mais non, il y a des gens qui en mettent des merci. Non, mais c'est vulgaire. On ne peut pas, on peut pas trouver un homme... Avec quelque chose dans le nez. En Papouasie, si tu mets un long bâton comme ça dans le nez, tu vas avoir beaucoup de succès. Tu dois bien me regarder dans les yeux, c'est la coutume. Ici, en principe, on ne dit pas bon appétit chez nous. Bon. Et si vous allez à l'Élysée voir le président de la République, non plus il ne faudra pas le dire. Je vais vous dire, en Papouasie non plus on ne dit pas bon appétit. On est pareil. Finalement, on est un peu de la même tribu. Tout à l'heure, on a mis 10 assiettes, 10 fourchettes et 10 verres. Et là, je vois qu'il y a 5 chandelles et que de l'autre côté, là-bas, il y en a 5 aussi. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Non, ça n'a pas de sens. Parce qu'on aurait pu être moins et on aurait mis autant de bougies. Voilà, il y a des traditions, mais pas de symboles. Voilà. Avec ce grand festin, ils nous ont vraiment fait plaisir. Et on se demandait bien ce qu'on pouvait faire pour les remercier. Je pense que quand ils fabriquent leur maison, ils doivent aussi se servir de ce genre d'arbres solides. Bon, ben, je vais ramasser ces fruits, et quand on rentrera à la maison chez nous, on pourra les planter. Oui, mais on ne devrait pas en prendre trop. Parce que si la police nous attrape, ils risquent de nous mettre en prison. Moi, je vais en ramasser 4. On pensait que tous les Blancs avaient de belles maisons. Mais c'est pas vrai. Il y a aussi des maisons vraiment dégoûtantes et en très mauvais état. À l'intérieur, c'est sale et tout est cassé. Ils dorment à combien ici? Il y a 1000 ou 2000 maisons ici. Regarde. Je pensais que les Blancs entretenaient bien leurs maisons, mais je vois qu'eux aussi vivent dans des cases délabrées parfois. Ils sont toute une tribu habitée dans la même maison. Je suis sûr qu'il doit y en avoir qui parlent fort, qui font du bruit, qui dérangent les autres. Certains ont dû en avoir marre, alors ils sont partis en cassant tout. Nous, les Papous, on a l'habitude de vivre tous ensemble, mais les Blancs, je sais pas. Ça, c'est des gens qui ont mis le feu parce que l'immeuble a été abandonné, les gens sont été obligés de partir. C'est le seul immeuble qui est comme ça ou c'est tout le quartier? Celui-là, celui-là, derrière. Ici, c'est un quartier. C'est où qu'il y a les gens qui n'ont pas d'argent. Ils sont relogés dans les quartiers comme celui-ci. Et tous les gens ici, c'est d'origine africaine,
algériennes, tout ça, la plupart, ouais, c'est nous qu'on est venu en France. Et on est beaucoup confrontés aujourd'hui pour avoir un travail, être étranger, avoir un travail, c'est très difficile. Alors il y a des ascenseurs, mais là, moi je vais pas prendre le risque de les prendre. Je sais pas si ça marche, je sais pas si ça ressemble. Ça restait bloqué, déjà c'est bloqué. Ouais. Donc les gens sont obligés, comme les ascenseurs ne marchent pas, les gens sont obligés de marcher, monter par l'escalier. Alors imaginez ce qu'on... On dirait des toilettes publiques ici. Moi je croyais que les Blancs prenaient bien soin de leur case et de leur ville. Mais là, je me rends compte qu'à certains endroits, ça ressemble drôlement à chez nous. Parlez-vous, bande de patates! Qu'est-ce qu'il dit, là? Ce genre de type-là, tu vas voir, il va venir nous mettre un coup de hache, nous tirer dessus. On savait pas quoi lui répondre. Alors on est ressorti parce qu'on a eu peur. Regarde, les gens d'ici, c'est comme s'ils avaient pas de nom. Il faut pas oublier qu'ils dorment dans des maisons comme ça. On aurait dû leur demander avant d'approcher. Nous, ils voient bien qu'on a une belle voiture et de quoi manger. Mais regarde chez eux, tout est abîmé. Alors on leur fait honte. Ils croient qu'on vient pour les regarder de haut. J'ai vu qu'ils veulent pas qu'on vienne les voir. Nous, les papous, voilà comment on pense. Quand on est pauvre, on a honte. Eh ben, je pense que les Blancs, c'est pareil. Qu'est-ce que t'en penses? Nous deux, c'est pareil. On n'a pas de travail, on habite un petit village et on travaille dans notre jardin. Mais la différence avec vous, c'est que nous possédons un grand territoire. Et le problème, c'est que vous, vous n'avez pas de terre. Chez nous, ceux qui ont de l'argent se mélangent avec ceux qui n'en ont pas. Alors les plus riches aident les plus pauvres. Ils leur donnent un peu à manger. Voilà comment on fait, nous, les papous. J'ai l'impression que vous, c'est pas pareil. Je sais pas, moi. Vous vous aidez entre vous? Papou, oui, papou aussi. Attends, non, 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 non. Dans le village de Polobi et Moudidje, on se débrouille toujours. Là-bas, la règle est de tout partager. Ils n'ont pas grand-chose, mais ce n'est pas la misère. Chacun élève des cochons, cultive sa terre, ramasse des fruits, qu'ils échangent, qu'ils donnent ou qu'ils vendent sur les petits marchés installés au bord de la route. Du pain, il faut retourner à nos lait, puis avec ça, il faut faire encore attention, parce qu'ils ouvrent tous les commerçants nos lait, ils ouvrent à 3 heures. Les petits pays, c'est comme ça, il n'y a plus rien maintenant. Hein. Partout, c'est tout pareil. Hein. Qu'est-ce qu'ils mangent ici? Il n'y a rien à manger? Eh bien, parce qu'il y a eu des mini-surfaces, après des plus grandes, et puis des grands maxi maintenant, des super maxi, des trucs comme ça. Et puis alors les gens, eh bien, ils vont là-dedans. Chez eux, le marché est à l'intérieur d'une grande maison et ils se promènent dedans avec des petites voitures qu'ils appellent caddies. Oh, il y a plein de trucs ici, c'est comme un marché en plein air. Regarde, là, il y a des habits qui vont jusqu'au bout. Oh.
Regarde ça, il y en a des durs, il y en a des mous, il y en a pour les jeunes, il y en a pour les vieux, il y en a toutes les couleurs. Les gens viennent et ils se disent, lequel est le mieux pour moi? Lequel je devrais choisir? Et nous alors, qu'est-ce qu'on fait? On garde celui-là ou bien on en prend un autre? Laisse ça, tu connais quelque chose, toi? Là-dedans, on trouve de tout, même de la nourriture. Il y en a partout, partout, partout. Attends. Ça n'a pas de peine. One, two, three. Oui. Ça te fait pas mal? Non, et c'est ça. Aujourd'hui. Il y a aussi autre chose que les Blancs adorent faire, c'est se faire pousser les muscles. Comme ça. Ils ont toutes sortes de machines. Il faut tirer comme ça, pousser comme ça, et ils dépensent beaucoup d'argent pour ça. David, give him you. Ok. Il fait froid là. Ok. Qu'est-ce qu'il va falloir travailler plus particulièrement là, a priori? Là, les abdos. Ah. Ça s'impose. C'est vrai qu'on a un peu trop de ventre, mais c'est parce qu'on fait trop l'amour à nos femmes. Ce jour-là, on a rencontré un ami de Marc qui s'appelle David. David. Il s'est fait pousser des muscles énormes. Ok. Ok. C'est vraiment bien de se faire grossir les muscles comme ça. Après, ils pourront porter plein de choses. Ça, c'est vraiment pratique. C'est parti, là. Si vous faites pareil, vous allez voir, vos muscles vont grossir et devenir énormes. Mais ça n'arrivera pas d'un seul coup. Alors pour que ça aille plus vite, les Blancs prennent un médicament qui ressemble à du kérosène. Je vais leur faire goûter une boisson à base de protéines. Tu l'as qui, mon homme? Tu aimes ou pas? Alors tu aimes? Oui, j'adore ça. S'il vous plaît, je peux en avoir moi aussi? En fait, c'est dégoûtant, j'ai fait semblant de trouver ça bon. J'ai trompé Moudidji pour qu'il goûte aussi. En fait, c'est vraiment infect. Ne m'aidez pas, je vais y arriver tout seul. Les grands chefs, les rois, les reines, les premiers ministres, les présidents n'arrivent pas à porter des poids comme ça. Il n'y a que des gens comme David qui peuvent y arriver. David est plus fort que tous les chefs du monde. Merci, David. De rien. Les Blancs veulent toujours rester jeunes. Ils sont toujours inquiets pour leur visage et pour leur corps. Là-bas, nous avons rencontré un autre ami de Marc, qui s'appelle Looping. Son travail, c'est de couper les cheveux des gens. On dirait qu'ils lui mettent du chocolat sur la tête. Ça me donne faim. Tu vois, ils regardent les magazines, comme celui-là, et ça fait honte à tous les vieux qui ont les cheveux blancs.
Alors après, il faut couper les cheveux. Les femmes disent « je voudrais être comme celle-là ». Après ça, elles auront l'air jeunes et pourront encore draguer les hommes. Regardez, il nous a donné un cadeau. C'est quelque chose de vraiment très important pour eux. C'est comme si nous, on offrait un arc et des flèches. Ça a beaucoup de valeur pour eux. Oui, madame. Madame, venez, je vais vous couper les cheveux. Moudidji, tu feras mieux de faire semblant. Hein. Parce que si jamais tu la rates, elle va se fâcher. Frotte. Non. Je vous demande si tout va bien. Good, this is perfect. Si tu continues à lui caresser les cheveux comme ça, elle va tomber amoureuse de toi. Nous, on fait jamais ce genre de choses. C'est seulement les filles entre elles qui font ça. Pour les hommes, c'est absolument interdit. Coupez. Coupe. Doucement. Voilà. Il a fait trop. Doucement. Ça y est. Voilà. On ne pourra plus vous appeler madame. Vous êtes redevenue une mademoiselle maintenant. Oh, vous allez avoir l'air jeune maintenant. Rends-le-moi. Vous avez eu le temps de bien le voir et vous pensez que c'est pas important ça? Mais chez eux, c'est un outil essentiel et il faut en prendre soin. Tous les papous que je connais sont très coquets et passent un temps fou à se faire beau pour séduire les femmes. Le seul problème, c'est que pour se marier avec elles, il faut posséder des cochons. En Papouasie, le cochon est toujours au menu des grands festins. Mais c'est aussi un moyen de paiement. Là-bas, pour se marier avec une femme, il faut payer sa dot en cochon. Alors, je me suis dit que si j'emmenais mes amis dans un élevage industriel, ce serait un peu comme leur faire visiter le coffre de la Banque de France. Les Blancs, ils croient que leurs cochons sont très fragiles. Alors ils se lavent bien les mains et se mettent même des médicaments sur les pieds avant d'aller les voir. Si tu ne fais pas ça, tu peux pas rentrer dans la maison des cochons. Une partie de nos animaux. Ce sont des truites. Ah, les cochons des Blancs, ils sont rangés dans une grande maison, exactement comme des voitures sur un parking. Regarde. L'eau arrive de façon automatique. La nourriture, c'est automatique. Je suis sûr que les cochons dorment aussi de façon automatique. Ils doivent bien dormir. Regarde, ils ont chacun leur chambre. L'eau arrive directement ici. Toi, tu as 600 cochons ici. Tu penses que t'es riche ou pas? Ben non, parce que finalement, c'est vrai que, finalement, nous, au fur et à mesure des années, le jeu économique se resserre finalement. Chez eux, un seul homme peut posséder beaucoup de cochons et beaucoup de terres, mais ils ne veulent jamais avouer qu'ils sont riches. Nous sommes allés voir le jardin immense d'un homme qui s'appelle Jean-Luc. Le poteau là-bas, le poteau laitier. Hein, c'est la première tranchée allemande. Ah ouais. Hein, et ici, on est français. Là-bas, on a trouvé plein de choses qui viennent de la guerre.
partout, hein. C'est partout. Mais c'est fou, hein. Il y en a partout. Mais encore, c'est pas labouré, là. Bon, dès qu'on retourne la terre. Ces choses-là, on va en trouver encore pendant combien de temps? 500 ans. On estime qu'il y a encore des explosifs, pendant 500 ans. Mais la ferraille, elle restera toujours. Elle sera toujours là. De toute façon, il y en aura toujours. Vous êtes battu pour quoi? Pour la terre, pour de l'or, pour du gaz? Pourquoi? Hey, j'ai trouvé un truc important là. Regardez, c'est une vraie cartouche. Ça, c'est le culot du Hanovu. Jean-Luc fait pousser ses patates dans un grand jardin où la terre est mélangée avec les morts, avec les os, avec le sang. Tout se mélange et ça fait pousser les patates. Tu vois ça? C'est une grenade. C'est fait pour tuer et ça tue encore d'ailleurs. Les Blancs inventent des tas de choses pour se tuer entre eux. Alors que nous, on a seulement des arcs et des flèches. Ça, c'est terrible. Quand il y avait des chevaux, des charges, des fusées pour envoyer des messages à l'arrière. Voilà. On avait une ficelle, Et puis à la guerre de 14, il y a eu quelque chose de terrible. C'est les gaz. Hein, c'est les premiers. Tous ceux qui sont morts ici, ils ne pensaient pas eux-mêmes ou à leurs affaires. Ils ne pensaient qu'à avancer et à se battre. 4 ans de guerre, ça laisse beaucoup de choses. Les poches qui se vident, les soldats blessés, les soldats morts. Il y avait des milliers de soldats ici. Je crois que l'esprit de ceux qui sont morts ici est toujours là et t'aide à faire pousser tes patates. Tous ceux qui sont là, je les sens, ils sont là, des milliers qui sont dans la terre, qui pour plus jamais. Vers Noël, au 11e mois de l'année, ils honorent leurs ancêtres en portant des fleurs et en défilant pour montrer leur respect aux familles des morts. Plus tard, leur patriotisme, leur courage, leur abnégation nous obligent. Ils ont leur place pour toujours dans la mémoire nationale. On a aussi l'honneur et la chance d'accueillir deux représentants papous. Chez nous, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on dit que les Blancs ne s'intéressent qu'à la télévision et à leur voiture. Voilà ce qu'on croyait. Mais je vois maintenant que vous n'avez pas perdu la mémoire de vos ancêtres et que vous continuez à les honorer. Alors aujourd'hui, nous sommes fiers de partager votre tristesse et d'honorer vos ancêtres à vos côtés. Est-ce que vous êtes grand-père? Oui, oui. Donc vos enfants ont des enfants? Non, pas du tout. Je ne suis pas grand-père, je suis encore jeune. J'ai 20 ans. Enfin, exactement 29.
Et là-bas, les enfants, ils vont à l'école ? Oui. Là-bas, 4 mois après leur naissance, les enfants vont déjà à l'école. Tu vois, c'est une toute petite fille. Mais on dirait déjà un chef. On dirait une étudiante à l'université. Dès qu'ils sont tout petits, ils savent écrire, dessiner sur du papier. Eux, ils apprennent plein de choses. Et ils deviennent quelqu'un. Le savoir va finir par les tuer. Alors, est-ce que je peux vous demander de dire oui, Stiti ? Oui ! Ah, les voitures, c'est vraiment quelque chose chez vous. Il faut toujours payer les taxes sur les voitures, les policiers vous arrêtent. C'est vraiment trop compliqué. Dans un instant, qui est numéro 1, 2 et 3, le top 10 actuel des Vénézuéliens. Attention, on va se faire mouiller. Attention, on va se faire mouiller. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai froid. Vite, ouvre la porte. Vite, vite. Vite, je vais mourir de froid. Ouvre-moi. Regarde ça, moi. J'ai froid maintenant. Ah, allez, on s'en va. On s'en va. Regarde, on dirait des montagnes vivantes, tu vois. Et si ces montagnes d'eau qui arrivent te tombent dessus, tu feras pas le malin. Ça, c'est un cimetière. Là-bas, la France et l'Angleterre se sont battus. Des milliers d'hommes sont morts. Et ils les ont enterrés à côté de la mer. Je pense qu'ils sont des milliers, et peut-être même des millions. Impossible de les compter. Elles datent toutes de juillet 1944. Si tu regardes comme ça, tu n'en verras qu'une seule. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ici, tout est grand. Les voitures, les routes, les ponts. Et quand ils font la guerre, c'est énorme aussi. Nous, lorsqu'un homme meurt, on arrête de se battre. Mais eux, ils continuent la guerre, sans penser à ceux qui meurent. Il y a plein de morts, et ils continuent encore et encore. Celui qui est mort ici est mort pour rien. Pour eux, on dirait que la vie ne compte pas. Ils savent même pas pourquoi ils meurent. Regarde combien sont tombés le même jour.
Voilà comment sont leurs cimetières. J'ai entendu dire que des touristes qui sont montés en bateau ont été malades et sont tombés à l'eau. Il ne faut pas qu'on aille au milieu de l'eau. Il faut qu'on reste au bord. Modigi, qu'est-ce que t'en penses? Regarde, cette eau a envie de nous dévorer. Elle vient nous lécher les pieds. Ça, c'est pour appeler un bateau. Si jamais tu tombes à l'eau, tu siffles. Et puis on vient te chercher. On vient te sauver avec un autre bateau. Mais maintenant, arrête de parler de ça. Il ne va pas y avoir un accident. Le vent fait bouger le bateau, mais je m'accroche bien à cette corde, même si je suis assis. T'as peur ou quoi? Non, non, mais bon. Allez, on chante. Hey, il y en a un à l'intérieur là. Hey, Modigi, tu vas en manger toi ou pas? Il y a plein d'animaux qui vivent dans la mer. Certains ont des ciseaux à la place des mains, d'autres ont de gros poils. Il y a même des animaux qui vivent dans l'eau et qui ressemblent à des champignons. Alors ils sortent de l'eau, cassent leurs coquilles et les mangent. Ah, ça c'est de la bonne viande pour vous. Ces animaux, c'est facile de les attraper, parce qu'ils ne bougent pas. Et à la fin de la journée, lorsque le travail est fini et que l'eau se retire, les blancs ont tout prévu. Messieurs, pas de première. Merci. Merci, ma bonne. Mais ça, c'est vivant. Quand je le touche, ça bouge. C'est sucré. Et vous en avez mangé? Oui, Polovi en a mangé. Si j'étais un homme de la mer, j'en mangerais. Mais comme je suis un homme des montagnes, j'en mange pas. Il y a des vieux chez eux? Oui, beaucoup. Quand les blancs deviennent vieux, on les emmène dans un endroit spécial. T'as vu? Tous les vieux dorment dans une belle maison. Regarde, chacun a sa chambre. T'as vu où ils dorment? Bonjour, madame. Désolé, c'est sa chambre ici. Et maintenant, elle va prendre l'air dehors. Oui, elle va prendre l'air, elle va s'asseoir et se reposer. Je crois qu'elle veut prendre l'ascenseur et descendre. Laisse-la tranquille, on y va. T'as vu? Il y a seulement une seule personne par chambre.
Regardez, ils savent les cheveux. T'as vu? Même les personnes très âgées prennent encore soin de leurs cheveux. Ils veulent toujours ressembler à des jeunes. Elles les peignent bien. Chez nous, lorsque les vieux ont du mal à marcher, il faut les porter sur notre dos. Et c'est vraiment dur. Mais chez eux, c'est beaucoup plus facile, parce qu'ils ont inventé de petites voitures spécialement pour les vieux. Et pour ceux qui n'ont pas de dents, les infirmières écrasent les aliments pour eux et leur donnent la nourriture à boire. Comme ça, c'est plus facile pour eux de manger. Tu as vu ? Il y en a qui ont les cheveux tout blancs, d'autres juste un peu gris. Et il y en a qui sont faibles et qui ont du mal à parler. Il y en a même qui ont déjà perdu la tête. Regarde celui-là, il s'endormit. Les jeunes devraient venir s'asseoir avec ces vieux et écouter leurs conseils. Ils apprendraient qu'un jour, eux aussi, ils deviendront vieux. J'ai l'impression qu'ici, les jeunes ne se préoccupent pas de leurs vieux parents. Ils ne pensent qu'à leur travail, à leur femme, à leur famille. J'ai l'impression que les enfants ne viennent pas voir leurs parents ici. Ça doit être leur coutume. Eh oui, ils doivent toujours travailler. Ils pensent que s'ils viennent ici voir leurs parents, ils risquent de perdre leur travail. Tu pourrais leur donner un nouveau travail, toi ? Non. Alors voilà pourquoi ils pensent comme ça, les hommes blancs. Il faut qu'ils gagnent de l'argent pour pouvoir payer la pension pour leurs parents. Polobi et moi, on a été vraiment attristés de voir tous ces vieux comme ça. Alors j'ai mis mes plus belles parures pour leur faire plaisir. Merci de nous avoir donné 4 femmes, 2 pour Mudidje et 2 pour moi. Je suis très content et je vous remercie beaucoup. Tous ces vieux nous ont vraiment touchés. Et ils en font quoi de leur mort ? Lorsque les vieux meurent, c'est la même chose. Les enfants ne font rien. Ils payent une entreprise pour s'occuper de l'enterrement. Les cendres sont placées ici. On peut ouvrir l'urne et disperser les cendres dans la nature. Ça, c'est une urne très peu chère. Juste en argile, ici, des artistes qu'on a fait travailler. Granit, c'est un seul bloc. On peut inscrire le nom comme ça, avec une gravure. Certains blancs ne veulent pas être enterrés. Ils veulent qu'on les cuise sur un feu et qu'on mette leurs cendres dans une petite boîte. Certains veulent même qu'on les mette dans un petit bateau pour aller sur la mer. Et d'autres, dans une fusée pour rejoindre le ciel. Nous, quand on est mort, on pense que l'esprit est toujours là. Mais vous, ça ne vous dérange pas de cuire l'esprit des morts ? Dans tous les cas, dans le corps, beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a plus d'esprit du tout, soit parce qu'il n'y en a plus du tout, soit parce qu'il est ailleurs. Et quand on brûle le corps, on brûle jamais l'esprit. C'est jamais... Les coutumes des hommes blancs sont vraiment bizarres. Ils n'ont pas peur de mourir. Ils n'ont pas peur de parler de la mort. Si vous choisissiez la crémation, qu'est-ce que vous choisiriez pour vous-même ? Ah, moi, j'ai peur de mourir. Lorsque j'aurai une longue barbe blanche, que je marcherai avec une canne, il sera temps de choisir une boîte. Mais aujourd'hui, je ne veux pas en parler. Là-bas, le propriétaire de la boutique m'a demandé de choisir une boîte pour le jour de ma mort. C'est un cercueil que la famille peut décorer. Et puis là, on a un cercueil qui peut être entièrement couvert de fleurs. Ok, Rafael,
Maintenant que tu as tout préparé, est-ce que tu peux essayer de t'allonger là et que je referme le cercueil pour voir? Moi, je vais avoir la même réticence que vous avec la parole, dans le geste. Alors toi aussi, tu as peur de la mort. C'est pour ça que je t'ai demandé de t'allonger, juste pour voir. En plus, comme les Blancs font de l'argent avec tout et n'importe quoi, ils font même de l'argent avec les morts. Donc on va rentrer maintenant dans le coup de la visite, l'Empire de la Mort. Impossible de les compter. Il y en a même derrière nous. Nos ancêtres aussi rassemblaient les os et les entreposaient dans des grottes comme ça. Faut qu'on fasse des photos, hein, parce que sinon au village, ils vont jamais nous croire. Là-bas, j'ai eu vraiment très peur. On avait une torche parce qu'on était dans une grotte avec la ville au-dessus de notre tête. Mais combien il y en a? Ils ont dit 6 millions de personnes? C'est comme la population de notre pays. 6 300 000 habitants. C'est le nombre de morts qu'il y a ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Faudrait pas que le sol s'effondre sur nous. Qu'est-ce que t'en penses? Arrête tes bêtises. Les morts te voient faire. Avec tous les morts du cimetière de notre village, on devrait faire pareil. Prendre leurs os, les nettoyer, les faire sécher. Comme ça, on pourrait les montrer aux touristes et les faire payer. Non? Traditionnellement, les Houlis étaient animistes. Ils croyaient aux esprits et aux forces cachées de la nature. Mais lorsque les missionnaires blancs sont arrivés au siècle dernier, ils leur ont expliqué qu'il fallait oublier leurs anciennes croyances et prier un nouveau Dieu. Le vrai et le seul Dieu, disaient-ils. Ça me brise le cœur. Tous les gens qui vont entendre cette musique vont se précipiter ici. Ils n'ont pas envie de venir à l'église, mais qu'ils entendent cette mélodie, ils ne pourront pas résister. Ils viendront remplir l'église et croire en votre Dieu. Nous, on pensait que les Blancs n'avaient qu'un seul Dieu. Eh bien, pas du tout, ils en ont plusieurs. Ça nous a vraiment étonnés. Vous, les musulmans, vous l'appelez comment, votre Dieu? Allah. Le livre des musulmans est le Coran. Et les gens l'apprenaient par cœur. Et la transmission, au début, était une transmission orale. Ah, d'accord. Ah, oui. C'est un peu comme une radio. On va accélérer un tout petit peu. Très peu, très peu, très peu. Vous savez que Polobi souffre du genou depuis des années et que tous les jours, tous les mois, tous les ans, il a très très mal.
Oh bah zut, je me souviens plus à quel genou j'ai mal. Tu t'en souviens, Moudidji? Ah bah non, j'en sais rien. Le docteur va te le dire. Monsieur Paglia! On s'est aperçu que l'hôpital était plein de femmes et que toutes ces femmes sont des docteurs. Alors, quel âge a-t-il? Il ne faut pas dire que j'ai 40 ans. Il faut dire que j'ai 36 ou 37 ans. Parce que sinon, j'aurai aucune chance avec les Françaises. D'accord. C'est noté 37, c'est bon. De quelle façon cela a commencé? Est-ce que cela a commencé progressivement ou au contraire, est-ce qu'il y a eu une chute, un accident, un faux mouvement? C'est vrai qu'un jour, je suis tombé d'un arbre, mais je ne me suis pas fait mal. Je ne me suis rien cassé. C'est vrai aussi que quand je porte de lourdes charges, que je descends de la montagne en portant des arbres, ben, ça me fait mal et ça gonfle. Quand je joue du tambour pour les danses traditionnelles, ben, ça me fait vraiment mal là. Est-ce que vous pouvez enlever le pantalon pour que je puisse voir jusque-là? Oh là là, c'est vraiment dur ce que vous me demandez là. Parce que nous, on n'enlève pas comme ça un pantalon devant une femme. Oh non. C'est vrai? Oui, je vous assure. Les Blancs n'ont vraiment pas honte. Ce ne sont pas des manières de faire, ces coutumes. Marcher? C'est la femme d'un autre homme. Elle devra avoir honte. D'accord. Concernant M. Polopi Paglia, patient d'environ 37 ans, adressé pour des gonalgies droites, point, ses douleurs évoluent depuis 5 ans environ, point, on retrouve dans ses antécédents une chute d'un arbre, gênée par des douleurs apparaissant à la montée et à la descente des montagnes, virgule, avec une gêne importante lorsqu'il danse en position semi-fléchie, point, un syndrome de dérouillage le matin. Alors, vous pouvez traduire, il enlève son pantalon, ses chaussures. Nous, on n'enlève jamais notre slip devant une femme. Mais, oh, Polobi. Hey, Polobi, tu dois aller à l'intérieur. Bah, j'y suis déjà à l'intérieur. Non, tu dois aller dans cette pièce pour te cacher, là. Les Blancs ont inventé toutes sortes d'appareils photo pour regarder à l'intérieur du corps des gens. J'enlève la veste, la chemise et le pantalon. Le pantalon et le slip. Ah non, pas le slip, hein. J'enlève pas le slip. Pour lui, les affaires, c'est dans la cabine. On va mettre un produit dans le genou, d'accord? Pour ça, il faut que je fasse une petite piqûre. C'est une aiguille fine. Ça fait pas mal ou pas très mal, en tout cas, d'accord? Et ça va pas durer longtemps. Pourquoi il veut me piquer? Ça fout de la trouille? Je pique, hein. Ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer. T'as vu? On voit drôlement bien. Alors, il a un pied plat à droite. C'est bon, tu peux remettre ton pantalon maintenant. Tu sais, on est ici chez les Blancs maintenant et ça me dérange plus. J'ai plus honte. Chez moi, je pourrais pas me promener comme ça. Mais ici, je pourrais me promener les fesses à l'air, hein, ça serait pas un problème. Qu'est-ce que t'en penses? De toute façon, ils ont déjà tout vu, même l'intérieur de mes genoux. Alors je peux me promener tout nu, pas de problème. Je pourrais même rester pour les draguer un peu, tiens. Ils ont fait plein de photographies à l'intérieur de Polobi et ils ont dit qu'il avait une maladie. Une maladie qui s'appelle l'arthrose. La conséquence, c'est qu'il a de l'arthrose ici. Là, le cartilage est abîmé, oui, il est irrégulier. Là, c'est un cartilage net, on délimite bien. Mais ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de médicaments pour cette maladie. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris toutes ces photos, si c'est pour nous dire ça? Ce qu'il fait, il est tellement fort qu'il pourrait tuer un homme. Alors tu aimes? Ça a un goût de soupe au café. Et de pain aussi.
Chez nous, les animaux, on les mange et c'est tout. Mais les Blancs, ils jouent avec. C'est comme des jouets pour eux. Ça, c'est comme une vache, c'est ça? Ce jour-là, deux frères, Guillaume et Nicolas, nous ont accompagnés dans l'arène. Il faut te cacher comme ça. Eh, vous avez dit que la vache serait petite. Mais elle n'est pas petite du tout, celle-là. Allez, viens, Moulidje. T'inquiète pas, il va te protéger. Moudoudji, il a peur, mais moi, je vais y aller. La vache a essayé de me tuer, mais c'est moi qui ai gagné. Hein. Il est vraiment bien jeu. Moi, je me suis blessé au bras. Sans ça, j'y serais allé aussi. Le lendemain, on est allé voir Guillaume et Nicolas jouer avec des vaches quatre fois plus grosses. Les hommes qui se battent avec des vaches, ils portent des protections et de très beaux costumes spéciaux, juste pour ce jeu. Lâchez la corde! Mais lâchez la corde, bon sang, oh là là, il a la corde enroulée autour de la jambe. Ils n'ont pas peur d'avoir un accident. Ils ne pensent pas à leur vie, ces gens-là. Et qui va payer la compensation s'il y a un accident? Moi, je vais pas jouer là. Tiens, regarde. Nicolas et Guillaume, ils sont très forts. Tous les autres, ils attendent simplement les vaches et les évitent. Mais eux, ils volent même par-dessus. Là-bas, Nicolas, c'est une vedette. Et quand le spectacle a été fini, ils lui ont donné son poids en vin. Les vaches sont énormes et toi, t'es aussi petit que nous. Alors comment tu fais pour voler par-dessus comme ça? Tu utilises de la magie? C'est très gentil, mais si j'étais magicien, je chanterais encore plus haut. Toi, tu es vraiment le meilleur. Tu sais, chez nous, celui qui gagne un jeu, il partage toujours le premier prix. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Là-bas, les montagnes sont très hautes et on dirait qu'elles sont couvertes de lait.
Mais ça n'a pas le même goût. Ça s'appelle la neige. Et vous en avez mangé? Hé, hey, regardez! La neige, on dirait du sucre. On peut le boire, ça? Oui, oui, on peut le boire. Ouais. C'est comme une crème glacée. Vas-y, goûte. Non, 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 mange-le, toi. C'est un truc de chez toi, ça. Mangez-en tous les deux, c'est bon pour la peau, je suis sûr. T'as vu, on peut l'utiliser pour se laver. C'est sûr. Maintenant, tu as le visage très très propre. Ah ben, ça me donne chaud maintenant. Toute cette neige là, ça fait mal aux yeux. Pourquoi il n'y a que toi qui as des lunettes, Marc ? Voilà, elles me vont très bien maintenant. J'ai l'impression d'avoir un arbre ou une pierre au bout des pieds. Pas facile de marcher droit avec ça. Voilà, je vais pas lui donner trop grand, hein, parce que comme ils sont débutants, voilà. Merci. Pour moi, pas de casque. J'ai quelque chose de trop important sur la tête. C'est mes plumes. Donnez-en juste un à Polobi. Ce truc-là, c'est pour pouvoir skier à la montagne, là où il y a de la neige. Si on l'a pas, on peut se faire virer. C'est obligatoire. Sinon, la montagne est fermée. Eh ben, c'est pas simple. Quand les Blancs font du ski, ils appellent ça les vacances. Pourquoi ils aiment ça, on sait pas. Faudrait pas que la corde casse. C'est vrai, hein, il y a que deux cordes pour tenir ce truc-là. Il n'y a pas de moteur. Les Blancs n'ont pas peur, eux. Ça a dû être fabriqué par leurs ancêtres. Nous aussi, nos ancêtres fabriquaient des choses et on leur fait confiance. Faudrait quand même pas qu'on s'écrase contre une pierre, hein. Finalement, nous ne sommes pas morts. On est arrivé au sommet, et là, on a vu des gens qui glissent comme des oiseaux dans le ciel. Ils ne se cassent pas de bras. Ils s'amusent. Ils font du ski. Elle est énorme, cette montagne. C'est une sacrée montagne. Un bon endroit pour la neige. Et ça, tous les Blancs le savent. Moudidji, tu veux essayer de voler? Ouais, ça a l'air facile. Ouais, ouais, ça a l'air facile, mais j'ai mal au genou. I push on this leg, like that. Good. Je lève le ski, comme ça. Comme ça. Comme ça. Essaye. On écarte, regardez. Bravo. Fait chaud, hein? Okay. Enlève-moi les chaussures que je m'assois. Ah oui, absolument. Ouais. Lift them. Si un jour il y a un accident avec l'ascenseur des montagnes, là, il y a plein de gens qui vont mourir. Tu ne pourras pas les compter. Tous ceux qui sont à bord vont mourir. On dirait que pour eux, la vie n'est rien du tout. Pour nous, la vie est quelque chose de très important. Et on ne la risque pas pour rien. Regardez, ma fille qui vient de tomber.
Sorry, Miko, help me, ma. Miko, help me, ma. Okay, go. Il faut que j'aille l'aider. Attention, il y a son mari. Ça va, madame? Your hand? Pain? Vous êtes fait mal à la main? Non. Vous n'avez pas mal quelque part, juste un peu à la main? Désolé pour vous. Je voulais juste vous aider. Merci, au revoir. La tribu qui habite dans les montagnes a vraiment des coutumes très étranges et une nourriture bizarre. Ils mangent une drôle de soupe qu'ils appellent la fondue. Vous voulez me tuer en m'amenant dans un restaurant comme ça? Bah excusez-moi, on ne savait pas, qu'est-ce qu'il y a? Ah, elles sont jolies vos coutumes. Bah, c'est juste notre nourriture. C'est ça, votre nourriture? Tu crois que moi, je vais manger ce genre de truc dégoûtant? Polobi, lui, n'est pas sorti. Il ne voulait pas vexer Marc, alors il est resté dans le restaurant. Ça, c'est votre aliment préféré, alors ça doit être bon. Ça fait vraiment bizarre. Ça coince dans la gorge. Et puis, ça pique le nez. Quand je regarde ce truc que vous mangez, ça me donne vraiment pas envie. Oh, DJ, tu veux que je te fasse des spaghettis? Tout le monde sait que la lune est en fromage. Gros mythe, tu as raison. Nous allons chercher du fromage là où il y a du fromage, c'est d'accord? Après une semaine d'entraînement, moi, j'ai fini par trouver que le ski, ça n'était pas aussi dangereux que ça. C'était vraiment bien. On a essayé de grimper tout en haut d'une montagne, mais on ne voyait pas bien ce que les Blancs allaient chercher là-haut. Il n'y a pas de nourriture, pas de femmes, pas de maison. On a une carte crampon, les baudriers que vous avez déjà mis sur vous, et un bâton qui vous aidera à la progression. Si je comprends bien, ces trucs-là, c'est comme des griffes d'autruche. C'est nous. On va mettre ça sous nos pieds. Ça va tenir dans la neige et ça va nous permettre de marcher. Et ça, alors, ça sert si quelqu'un tombe. Avec la corde, les autres vont pouvoir le tirer et le ramener. Donc en plus de la corde, des crampons, du baudrier, on vous a équipé d'un arva, de pelles et de sondes. Tout ça pour les problèmes d'avalanche, bien sûr. Alors l'appareil de recherche des victimes en avalanche, si jamais quelqu'un disparaît sous la neige, ça nous permet de le retrouver. D'accord. Et si jamais il nous arrive malheureusement un souci, je pousse là et on a... À partir de là, je vais l'éteindre parce que ça fait du bruit. On a 15 minutes pour retrouver une personne qui est enfouie sous la neige. D'accord ? Je vous comprends pas. Depuis des générations, vous savez que la neige est dangereuse. Et vous continuez quand même à vous promener dans la montagne. Ok, on y va. Vas-y. Je
Oula, oula, j'ai peur là. Polobi avait vraiment peur. Alors il a fait croire à tout le monde qu'il avait mal au genou. Quand je regarde vers le bas, je vois des vallées de chaque côté. Et au milieu, il n'y a rien. Alors mon esprit part des deux côtés à la fois et mon corps, lui, il reste au milieu. J'ai l'impression que je rêve. Je crois que je suis en train de devenir fou. Je vais revenir en arrière. Moi, je vais continuer. Cette coutume des Blancs, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais je veux voir pourquoi ils font ça. Moi aussi, je veux battre la montagne. Quand on est arrivé au sommet, c'est là que j'ai compris pourquoi les Blancs grimpent jusque-là. La neige recouvre toutes les montagnes. C'est superbe. Magnifique. Moudidje est devenu fou de votre ski. Je crois qu'il a attrapé cette maladie des hommes blancs. Moi, je serais capable d'en faire aussi bien que vous, même mieux. Mais j'ai mal aux genoux, alors je peux pas jouer avec votre neige. Voilà. Merci. De rien. À la fin du mois de décembre, les Blancs font une très grande fête. Peut-être pour dire au revoir à l'année qui finit, ou peut-être pour dire bonjour à la nouvelle année qui arrive. Je ne sais pas. On n'a pas très bien compris le sens de cette cérémonie. Pour cette fête, Marc et ses amis ont décidé de porter les habits de leurs ancêtres. Mais en fait, c'était pas de vrais habits de leurs ancêtres. C'était juste des copies. Je suis trop petit. À minuit exactement, les Blancs deviennent complètement fous. Tout le monde crie « Bonne année, bonne année !» Ils rigolent et font n'importe quoi. Et pourquoi ils font ça, les Blancs? C'est une habitude qui doit venir de leurs ancêtres. Les hommes blancs chassent aussi des animaux. Mais eux, ils ne chassent pas du tout comme nous. Ils font tout à l'envers. C'est bon, merci beaucoup. Nous aussi, on va avoir droit à un fusil. Non, parce qu'il n'est pas en action de chasse. Pour pouvoir chasser eux, il faut qu'ils passent un permis en France. Et après, donc, il faut qu'il soit accepté dans un territoire. Il faut pouvoir demander une carte à l'avance avant le 30 avril. Donc, c'est très compliqué pour quelqu'un qui n'est pas ici. Par contre, ils auront des gilets comme nous, tout le monde, pour la sécurité. Ça, c'est...
Lui, c'est le chef d'ici. On tire aujourd'hui les sangliers et les chevreuils, les renards éventuellement, mais bon, j'y tiens pas trop parce que souvent devant le renard, il y a les sangliers qui arrivent derrière. Et les chevreuils ne sont autorisés que dans la limite des trois bracelets que nous possédons. On ne peut pas tirer autre chose. En route. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Viens ici. C'est curieux, vous êtes vraiment habillé bizarrement. Et on est très nombreux. Il faudra être seul et se cacher pour avoir une chance de tuer un animal. Nous, c'est l'argumentation pour la sécurité. C'est vu qu'on est plusieurs, pour la sécurité, c'est obligatoire maintenant. C'est vrai que comme ça, on voit bien les gens. Et on sait qu'il ne faut pas pointer son fusil dans la direction de leur gilet. Vous avez des sifflets pour appeler les chiens et vous avez des fusils. C'est facile pour vous de chasser des animaux. C'est facile et en même temps, c'est compliqué. Parce que le gouvernement vous impose beaucoup de règles. Nous, nous sommes libres. On peut tuer les animaux comme on veut. Qu'est-ce que tu préfères? Chez nous ou chez vous? À la limite, il vaut mieux aller chez eux. C'est sûr. Chez vous? Le gouvernement dirige tout. Si vous n'avez pas assez d'argent pour payer les taxes, le gouvernement va vous mettre en prison. Sur vos routes, il y a des péages. Pour vos maisons, il y a des taxes. Et pour vos terres aussi. Le gouvernement vous surveille tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Quoi que vous fassiez, il vous surveille. Dis-lui. Parfois, c'est les lois. Je pensais qu'avec votre gilet de couleur, vous ne tueriez pas un seul animal, mais vous avez eu de la chance. Les sangliers ne voient pas les couleurs. On le sait, même triquimé. La première fois que je suis venu en Papouasie, je me souviens d'avoir eu du mal à distinguer qui était le chef. Et peu à peu, j'ai compris que le leader, c'est celui qui s'exprime le mieux en public, celui qui est le plus généreux, le plus sage d'une certaine façon. Et ça n'a rien à voir avec l'apparence. Les Blancs ont plein de vêtements différents pour les différents moments de la journée. Ils ont des vêtements spéciaux pour faire la fête. Pyjama short, c'est le short. D'autres pour aller au travail. Mais le plus incroyable, ce sont les habits des chefs. Ceux-là, ils sont vraiment étonnants. Parce que là-bas, les chefs gagnent beaucoup d'argent. Alors ils se paient des habits spéciaux pour dire à tout le monde qu'ils sont chefs. Nous aussi, on les a mis, ces habits. Et je peux vous dire qu'on avait l'air de vrais chefs. Attends, ferme le bouton, là. Mais non, tu n'y connais rien, là. Les filles, quand elles vont voir ça, elles vont toutes tomber amoureuses de moi. Voilà. T'as vu, il se tient comme ça. Oui, oui, comme ça. Ouais, mais il faut tenir ses mains comme ça aussi. Ouais, t'as raison, comme ça. L'autre main aussi doit être comme ça. Tiens-toi droit, fais comme lui, souris, regarde comment il marche. Tu vois? Ah oui, il faut se redresser. Regardez bien droit, et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Souris, on dirait que tu fais la tête.
Quand je te compare la photo, je vois pas la différence, alors t'es parfait. Attends, t'as entendu les chaussures ? Écoute bien ce qu'elles disent. Elles disent « Hello, attention, j'arrive ». Écoute bien. Ah ouais, t'as raison, DJ. Tu vois, quand un chef arrive avec ces chaussures-là, les autres l'entendent et ils ont tous peur. Alors ils baissent la tête comme ça, ils se font tout petits, ils se mettent sur le côté et ils le laissent passer. Et là-bas, les chefs commencent à travailler très très tôt. Je suis crevé, moi. Ici, on peut mourir de fatigue, tu crois pas? On a mis nos habits de chef et on est allé dans la maison des chefs. C'est une maison immense, 1000 fois plus grande que ma case. Et à l'intérieur, c'est plein de sculptures, de peintures. On dirait un grand magasin. Les petites gens n'ont pas le droit d'entrer dans cette maison des chefs. Mais nous, avec nos habits spéciaux, on a eu le droit de rencontrer un chef qui s'appelle Noël. Appelle-le, demande-lui. Noël, il a fallu qu'on l'attende longtemps, parce qu'il était toujours au téléphone. Poulobi ? Oui ? Alors, parce que là, on va aller à l'Assemblée. Cette carte-là, c'est pour manger gratuitement à la cantine ? Ben non. Noël nous a emmenés visiter toutes les pièces de cette grande maison. Même si, normalement, c'est interdit aux gens du peuple. Voilà, alors ici, ça s'appelle la salle des fêtes. C'est l'endroit le plus somptueux de l'Assemblée nationale. C'est là où, au XVIIIe siècle, se faisaient de grandes fêtes quand ça appartenait à la noblesse française. Et c'est devenu un palais de la République. C'est vraiment incroyable. Il y a de l'or partout. C'est vraiment une drôle de maison. Chez nous, en Papouasie, il y a beaucoup d'or, de gaz et de pétrole. Les Blancs, ils viennent le prendre sur nos terres. Nous, on s'est toujours demandé où vous emmeniez tout ça. Mais maintenant que nous sommes chez vous, on voit bien que vous construisez des maisons tout en or. Alors, ça veut dire que cet or, vous le prenez chez nous pour l'emmener ici et développer votre pays. Après, nous avons eu le droit d'entrer à l'intérieur du bureau du grand chef. Parce que nous aussi, nous sommes des chefs en Papouasie. Maintenant, je suis le président de la France. Pas seulement de Paris, de toute la France, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Les Blancs ont beaucoup de respect pour leur chef. Et pour les saluer, les guerriers mettent des plumes rouges sur la tête, comme s'ils allaient à la guerre. Il y a même des femmes avec eux qui ont des fusils. Parfois, lorsque les Blancs sont en colère contre leur chef, ils se battent dans la rue. Cette coutume, ça s'appelle la grève. Les pompiers se battent contre la police, là. Ils se jettent des bombes et du gaz, et ils vont tout casser. Ils lancent encore des bombes, là. Ils ont vraiment de drôles de coutumes, ici. À mon avis, ils se font la guerre parce que les pompiers pensent que les policiers gagnent plus d'argent qu'eux. Qu'est-ce que t'en penses ? On devrait demander à un policier. Les policiers avaient des fusils et ça a failli dégénérer. Ils ont failli brûler leur parlement. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Je suis heureux de vous rencontrer. Elle me coupait le boulot. Je suis un fervent admirateur de votre pays. Vous êtes un homme de la tribu des Français comme les policiers. Alors pourquoi vous vous battez entre vous? Parce que vous avez le pouvoir et le contre-pouvoir. Si en France on est comme ça, quand on manifeste, on a toujours les forces de l'ordre en face de nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des liens. Mais ils sont là pour répondre à des ordres. Nous, on est là parce qu'on a des revendications à apporter, notamment sur la dangerosité de notre métier. Vous avez raison, oui, oui. Les policiers et les pompiers sont des frères. Et vous avez raison de venir ici, devant le Parlement, demander une augmentation. C'est le bon endroit. On vous soutient. On vous soutient. Les chefs là-bas, ce sont des vraies fontaines à paroles. Et à la sortie, il y a deux femmes journalistes qui nous ont demandé nos impressions. Qu'est-ce que vous allez leur dire donc en partant aux hommes blancs? Chez nous, les chefs en Papouasie parlent beaucoup trop. Mais les chefs de France, je l'ai vu dans cette assemblée, c'est exactement pareil. Ils parlent beaucoup pour ne rien dire. Maintenant, regardez ça. C'est Marianne. C'est le symbole de la France. On peut la voir au Parlement, là-bas. Regardez bien, c'est une femme, une vraie femme, qui s'appelle vraiment Marianne. C'est le chef du Parlement, le chef de toutes les villes du pays. On peut la voir partout. Ah, celle-là, elle a beaucoup de poitrine. Celle-ci a des petits seins. Elle, ils sont plus gros. Il y en a des petites, des jeunes, des plus vieilles. Vous, les Blancs, depuis l'époque de vos ancêtres, vous vivez avec vos femmes. Vous ne les quittez pas. Vous mangez avec elles, vous dormez avec elles. Vous êtes un peu obsédé. C'est pour ça que vous avez choisi une femme comme symbole. Généralement, chez Polobi et Moudidje, les hommes vivent ensemble dans une case où les femmes ne pénètrent jamais. Les femmes, elles, vivent dans d'autres huttes, avec les enfants en bas âge. Pour les Houli, elles sont à la fois attirantes et dangereuses. Il faut ainsi éviter de regarder leurs jambes, considérées comme une zone très intime. Et puis, elles ne doivent surtout pas toucher aux plumes, dont l'art est exclusivement réservé aux hommes. Là-bas, lorsque j'étais dans la salle devant toutes ces femmes blanches, je me demandais si je rêvais ou si c'était la réalité. Incroyable. T'as vu leurs grandes plumes? En plus, elles montent leurs seins, leurs fesses, leurs jambes. Oh.
Dans cette salle de spectacle, c'est plein de gens qui viennent du monde entier, du Japon, des États-Unis. Ils viennent tous de très loin pour regarder les jambes des femmes. C'est vraiment étonnant. Mais moi, je les applaudis. Je crois que c'est le plus beau spectacle du monde. À la fin du spectacle, on est allé dans la pièce où les femmes se changent. Bonsoir. Sophie, bonsoir, merci monsieur. Beaucoup. Bonsoir. Julie. Bonjour. Hey. Vous êtes vraiment couverte de très belles plumes. Sophie. Chez nous aussi, les plumes des oiseaux de paradis ont de belles couleurs comme ça. Mais nos plumes à nous sont plus belles que les vôtres, je trouve. Est-ce qu'on pourrait demander au directeur s'il peut nous en donner des comme ça? Est-ce que je pourrais les essayer, s'il vous plaît? Et moi, je vais vous prêter les miennes. Oh là là, je suis trop petit, moi. J'ai peur de lui crever un sein avec mon bâtonnet. Ce qui nous a le plus étonné avec les plumes, c'est que chez eux, ce sont les femmes qui s'en occupent. On a même été invité par l'une d'elles, qui s'appelle Nicole, c'est une grande spécialiste. Je vous montre, mais vraiment, il n'y a que vous qui avez vu plus ça, personne n'a le droit de venir là. Oui, voilà. Oui, oui, voilà. Oui, on y va. Voilà. Bon, alors, non, c'est le même. Non, c'est pareil. C'est pareil. C'est génial, hein. Vas-y, mets-lui sur la tête. Tu vois? Ouais! C'est très bien. Ah, c'est génial, hein. You, madame, or mademoiselle? Mademoiselle. Mademoiselle. Vous savez, les blancs ont toujours des machines pour tout. Eh bien, pour les plumes, c'est pareil. On a fait un fond de marabout et on peigne en même temps. Et après, on fait une fixation à la vapeur pour pas que ça s'en mêle. Mitoubla, soim. Avec Polobi, on leur a montré plein de trucs de nos ancêtres. Et elle aussi, elle nous a révélé plein de secrets. Mais chez eux, les plumes, ça n'a pas de sens particulier, c'est juste pour danser. Après, quand on a quitté Nicole, les filles du Moulin Rouge nous ont invités pour danser avec elles, sur la scène. C'est lourd. Il faut pas qu'on oublie des affaires ici, parce qu'ils risquent de dire que les papous sont mal élevés. Tu as vu? Les villes des Blancs sont vraiment superbes. Il y a l'électricité partout. Ça, c'est une vraie ville. Nous aussi, on est indépendants. Si les Blancs s'occupaient de notre capitale, elle deviendrait comme ça. Ouais, t'as raison. Mais tu sais, Moudidje, pour faire tout ça, les Blancs, ils ont détruit beaucoup de choses. Ils sont venus chez nous. Ils ont coupé les arbres de nos forêts.
Ils ont fait fuir les animaux, les oiseaux. Ils sont venus prendre notre or, notre gaz. Ils ont tout détruit. Ils sont venus prendre toutes nos richesses pour développer leur propre pays. Tout ça, c'est du business. Et pendant ce temps-là, nous, on vit comme des animaux dans la forêt. Qu'est-ce que t'en penses ?